chérie, on a un problème en 2022. Si le garçon qui monte sur toi ne paye pas ton loyer, on a un problème, ta gueule. On a un problème. Si le garçon qui rentre en toi ne paye pas le loyer, on a un problème, ma gueule. Les filles, je vous en supplie. Dites-moi qu'en 2022, vous n'attendez pas sur un homme pour payer votre loyer, s'il vous plaît. Dites-moi que vous savez très bien et que vous n'attendez pas sur un homme pour vous entretenir, s'il vous plaît. Parce que si tu fais ça, ma fille, la chose que tu vas récolter, c'est que le gars va te larguer un jour ou l'autre comme une vieille chaussette. Tu n'auras que tes yeux pour plus rien. En tout cas, laissez-moi vous dire une chose. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Parce que les gens qui vous disent ça n'attendent pas sur un homme pour payer leurs affaires. Comprenons-nous bien, les gens. Comprenons-nous bien. J'ai vu le petit buzz de Bambi, ça a fait parler, tout ça. Elle n'a pas tout à fait raison, mais elle n'a pas tout à fait tort non plus. Chacun voit midi à sa porte. Me concernant, je dis bien me concernant, si tu es avec quelqu'un et qu'il a monté ici ou qu'il rentre en toi, comme il dit, et qu'il n'est pas capable de payer le loyer, la personne est dans son droit. La personne est dans son droit, aucune obligation de payer le loyer parce que pour moi, pas te voyer chez Chicaz et pour moi, pas te voyer au grand homme. Tu vois le style? Mais si toi-même, tu fréquentes des personnes sensées, tu as appris de la vie, qui, tu vois, mon de lui-même a dit, tiens chérie, un petit argent pour payer ci ou pour payer ça. Mais on pas qu'il dit, Mouna, parce qu'il y a monté ici, il faut y avoir l'argent. Il n'y a pas de monnaie. Et puis, trop de femmes m'ont pensé que les hommes montent sur elles pour prendre du plaisir, comme si elles, en face, en échange, n'en prenaient pas. Tout le monde a qu'à prendre plaisir à eux. Tout le monde a habité à eux. Maintenant, la personne avec qui tu es, il aurait fallu avoir une discussion avec elle en amont, comprendre ce que la personne veut, ses objectifs, comment la personne a l'habitude de vivre en couple ou quoi. Ou pas qu'elle attendait, rester en case avant moon, pour dire comme ça, ah, tu sais, j'ai ça à payer. Déjà, pour moi-même, basiquement, si mon n'a vivre avec elle, il est vrai qu'on débute à payer. Si vous n'avez même pas participé à ça, c'est à toi de faire tes choix. D'accord? C'est à toi de décider de savoir pour vrai. Ou j'avais un ici, ça, mais on pas faire, moi. Donc, c'est soit, on va trouver une solution, on va parler, on va partager les frais, ou soit, chacun chez soi. Mais en aucun cas, le gars est obligé de payer ton loyer. En aucun cas, je suis désolée. Ni des femmes qui viennent dire, ouais, mais on s'en bien, on va monter ici, on va monter ici. Excuse-moi déjà. Si c'est parce qu'on va monter ici, mais il faut payer 15 ans, ça fait pute. Je suis désolée. C'est l'échange d'argent avec du sexe. Pas du tout. On prend responsabilité en moi, d'accord? Dans le règle général, hein? On prend responsabilité, on peut mettre devant le monde, mais il ne faut pas les réveiller avant. Sous gens savent que objectif, ou point de vue, vous n'avez pas qu'à partager avec vous. Mais peut-être que vous avez rester avec vous, vous avez trouvé une solution. Mais de là, à dire que oui, tu habites avec moi, ou bien tu montes sur moi et que tu ne payes pas, ben excuse-moi, il a le droit de ne pas payer. Il a le droit de ne pas payer. Il n'a pas demandé aux cases. Ok, ou mettez avec Mouna, parce que tu parlé avant. Ou prends Kazao, prends responsabilité. Si vous prenez Kazao, c'est qu'on sait qu'on t'est payé. Et que peut-être que la personne même ne paye pas ton loyer. Hein? Il peut avoir l'argent loyer. Mais peut-être qu'il a investi en d'autre côté. Tu vois, c'est qu'il a mené au manger, c'est qu'il a mené au drivé, c'est qu'il a mené au fait papier. Pas ça, moi. Forcément, l'argent sort de quelque part. Parce qu'elle a mené au drivé. Faut payer, voici là. Faut payer sans sa voici là. C'est quelque chose. Elle a mené au fait course. À part vous qui payez, mais c'est l'argent qui sort de la poche à Mouna. Donc, où veillez-vous mener au drivé? Donc, c'est-à-dire que régler le problème à voiture. Mettez essence, faites couche-bas et repayez le loyer. Je suis désolée. Bon, elle n'a pas dit tout ça, mais il y a des femmes comme ça qui exagèrent, tu vois. Mais le gars en question n'est pas obligé de payer ton loyer. Je suis désolée. Je suis désolée. Et si ça ne te plaît pas, c'est soit vous coupez court ou soit vous trouvez une solution. Parce que ma soeur me disait, ouais, mais on n'a pas compris ce qu'elle a voulu dire. Elle a expliqué ça, nanana, nanana, parce qu'il y a des gars qui viennent chez toi, machin, ils ont installé, et qu'ils n'ont pas qu'à aider au pays. Mais vous-même, vous avez ça. Ou pas couillon. Ou pas couillon. Et comme mon lara dit, maman, non, bon, bon. Après, c'est plus facile à dire, parce que si tu aimes quelqu'un, machin. Pas les réveils, mais pas les dix minutes comme ça, ouais, ou qu'à monter si loin, faut faire qui bite. Et le pire, c'est que c'est un. Je dirais personnage public qui dit ça, qui renvoie ce genre de message à notre jeunesse. C'est-à-dire que j'aime mieux paquet maman ravette. Yo quand il prend parole là, ça pour parole à l'évangile, il a dit ouais, mais la raison, c'est vrai, qui pitait. Regardez,
Ok, tu as un problème en foyer, ouais, qui bite, ou pas être à casa, ouais, marché, ou pas payer à rien, qui bite. Encore quelque chose pour bayo voix, pour bayo zèle, pour montrer que oui, ben finalement c'est l'homme qui paye ici, l'homme qui fait. Non. Non. Aujourd'hui là, ma fille, il faut avoir ta monnaie pour payer tes affaires. Parce que soit tu as un signe pour payer tes affaires, je ne vais pas te dire le mot. Mais tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Donc, fais en sorte que ça paye vite. Si jamais on veut faire mon rentrée en vie, parlez avec avant pour pas ni ce genre de propos là, ça. Ou pour pas ni ce genre de situation là, ça. Nous, ou bien l'homme, peu importe. Déjà, ça peut être la femme aussi. Hein. Même si c'est moi qui viens à casa et qui n'a pas payé ou peut-être qui n'a pas fait manger. J'ai le droit aussi. Fallait parler avec moi avant.